Le réseau des sports présente la boxe professionnelle en direct de l'aréna Boris Richard. Ce soir, le retour de Dino Clavet dans la boxe professionnelle face à l'Ontarien Mark the Twister Tucker. Et à mes côtés, vous aurez certes reconnu, c'est Bernard Barré qui remplace Yvon Michel quelque part avec l'équipe canadienne à l'entraînement. Et Bernard, toute une soirée parce qu'il y a un dénommé Mark Twister Tucker qui, lui, ne veut absolument rien savoir. Et le retour, tu vas me dire pourquoi, toi, Dino Clavet fait un retour. Si Dino Clavet, si lui. Je pense que oui. Les gars, salut. Salut Dominique, c'est plaisir. On n'a pas de nous rencontrer ce soir. Si Dino Clavet fait un retour, on sait, il y avait suivi le défi dans le 5-10 pour Billy Flynn. C'est ton combat. Il est vraiment marqué par cette défaite. Ça s'est passé quand? C'est là, c'est en direct, c'est ici, ça. C'est là, c'est là. Mais là, je ne veux pas admettre pas le monde, là. Tu sais, je ne peux pas tout replacer. Mais c'est ça. Je m'interroge, tu sais. C'est comme le côté comédien qui me demande de ne pas y aller, qui me dit pas y aller, puis le boxeur qui me dit d'y aller. Puis... Ouais, mais... va se passer si tu y vas pas. Ouais, il va annuler le combat, puis l'autre, il va gagner par forfait, là, tu sais, par absence. C'est mon adversaire, c'est ce gars, je devais rencontrer. C'est là qu'ils viendront. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, non, je pense que la foule est fort survoltée ici à l'aréna Maurice Richard, où il y a réellement pas de foule. Et on sait que Dino Clavet, ben, c'est l'idole de tout. Une présente. On vient de me dire à l'oreille, Jean-Paul, que Dino Clavet ne serait pas à l'aréna Maurice Richard. Il y a un officiel de la Régie de sécurité dans les sports qui vient de m'annoncer ça. Ça serait incroyable. Je vais me faire boire ailleurs. Toutes mes affaires sont là. Ou... Ça, moi, je suis à la place, je vais le faire. Ben moi, je n'irai pas. Tu vois, on va s'assigner, mais on va se ouais. Non, mais signe un contrat, je vais m'emmener. On va enlever le marché, pourtant. Justement, on vient de me confirmer, les officiels de la Régie de la Sécurité... ...ont donné un ultimatum de 10 minutes à Dino Clavet pour se présenter sur le ring. S'il n'est pas là, dans 10 minutes, il sera suspendu à vie. Moi, t'as pas une phrase que t'as entendue. J'ai besoin juste un petit peu d'exemple. Tu sais, des fois, une espèce de quelque chose que je peux me servir, là, comme remonter dans le ring avec ça. Là, c'est juste ça que j'ai besoin. Juste ça. Fesse baptême. C'est tout ce qui me fait. C'est tout ce qui me fait. Fesse baptême. Écoute, voici la dernière minute. À la dernière minute, si ça marche pas, descends les points et dis, écoutez, j'ai essayé jusqu'au bout. Masse-moi un petit peu ça, s'il te plaît. Juste un peu, excuse-moi, les gens ils diront ce qu'ils veulent. Merci, Danny. Mais, va les voir. Essaye le point à la minute. Dino Clavet. Oh, la foule, naturellement, qui semble soulagée. Je regarde le visage de Bob. Dino! Oh, je pas au moins, Dino, il va en avoir une. J'aime autant être son chum, l'arnaque. Du côté du camp de Dino Clavet, accepté Danny McCurdy comme arbitre, c'est lui aussi à Ottawa, il va y l'idée. Hey, Bernard, qu'est-ce qui se passe? C'est un bon ami à moi, Dominique Lévesque. À toi, Dominique. Merci d'être aidé, mon gars. Hey, bonne chance. Il y a besoin de porter. Et
Dans le cas de Clavel, lui, c'est déjà depuis... pas boxé depuis 6 ans. Donc, Tucker est agressif. Tucker va en ligne droite par en avant et Clavel... Oui, peut-on pas taper au moins. De côté, au début du combat. J'ai le cœur qui tombe. Comme si j'étais en saut. La gauche, Clavel. Oh, bonne droite! Moins bien. Et tout de suite, Tucker qui accroche et l'arbitre qui sépare les deux hommes. Non, mais tu me mets quand même à la boxe, moi, là, non. Elle a pas pire. On va jouer pas, ça prend, ça aurait moins mal. La Clavet qui en prend quelque peu. Heureusement, bonne droite vient d'être lancée ici. Que et là, Tucker, maintenant, est là! C'est Clavet qui... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'en parle un petit peu. Là. Il y a le plan de... Et là, il y a Tucker qui est parti. Non, il fait un bec. J'ai dit d'essayer, puis s'il ne se sentait pas capable de lâcher, c'est normal. Ce sera même maudite affaire que lui. Au moins, il s'est essayé. Je risque pas d'être prêt à soir. Je tiens à m'excuser, hein? Dominique m'a dit de lâcher si ça marchait pas. Excusez-vous, ceux qui ont parié. Qu'est-ce qui regarde la reprise. On a ici une image bien particulière où on peut voir Dino Clavet semblait faire un clin d'œil. Ah, ben, ils ont pas mis de clin d'œil, je l'avais promis. Si j'ai dit, m'a fait un clin d'œil, là. Mais ça n'a pas été payant pour lui, puisqu'il s'est fait cueillir durement. Suite à l'abandon de Dino Clavet, le vainqueur parmi hors de combat technique, à 1 minute 47 secondes, Mark the Twister, Tucker. Bon, c'est beau, Dino, écoute. T'es émotif, c'est comme... Ah oui, je suis un acteur, monsieur. Je peux pas gagner comme ça. C'est quoi qui s'est passé exactement? Pas de commentaire, j'en parle, excuse-moi. En professionnel, donne-moi un commentaire au moins. Ça va où, là, lui, le terminé? Il s'en vient ici, ce gage, lui. Ben non. Ah oui, les gars vont dans la chambre, absolument. On est sur la rue en compagnie de Twister. Et heureusement qu'on a l'unité mobile qui n'est pas tellement loin, mais j'espère juste qu'on est capable de rester en onde. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que on rentre présentement à l'intérieur d'une rentrée. Je dis qu'il y a bien fait de lancer. Bonjour. Luc Carrel, je l'avais vu. Laisse tomber tes gants, assis-toi, puis calme-toi. on va se parler. Vous étiez avec Dino Clavet au moment où nous autres, on travaillait dans le centre? Ben, oui. Oui. Je suis mal de ma peau, moi, non? Il faut donner le droit à l'erreur à quelqu'un. Non. Calme-toi, Dino. Reste là. Non, mais il n'est pas en état de se battre non plus. Il est plus motivé. Quelqu'un qui n'est pas motivé, on lui laisse la paix. Si vous laisse battre, OK, mais il veut pas se battre. Il a laissé tomber des gants. Son titre, regardez, c'est un gant bien vite. Il n'y a pas de problème. Il y en a seulement un. C'est qu'il y a l'autre gant. C'est ça. S'il veut remettre les gants, OK, mais demandez-y. Poliment. Ben, écoutez, remarquez qu'il y a deux pugilistes à ce moment-là. Ah, ben, ça, c'est correct. Il m'a juste demandé des phrases que l'encouragé, j'en avais pas vraiment, fait que j'ai dit fais ce matin. Fait que c'est deux seules choses, puis il m'a demandé un petit massage, j'ai fait dans le dos, mais j'imagine que ça y a plus. Il avait massé en plus de ça? Oui, juste d'un coup. Il massait comme ça. Ouais. Ah!